Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est vraiment un grand plaisir d'être encore une fois de plus devant vous pour un nouveau numéro des réflexions. Réflexions, c'est une tranche de Contact Pro Live et que nous réalisons ici et présentons une ou deux fois par semaine. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo, nous émettons depuis à Johannesburg et nous faisons ces émissions justement pour réveiller la conscience du peuple congolais. Au problème qui se passe en République démocratique du Congo, nous avons commencé à donner ces réflexions ici justement pour supporter ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses en République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens nous disent que non, écoutez, Atabolobinini, ce que vous faites là, vous n'êtes en train que de pérorer. Sachez que ceux qui font la politique et qui peut-être ont eu la chance, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être avoir le pouvoir, quoi. Mais nous avons remarqué qu'en République démocratique du Congo, que beaucoup arrivent en pouvoir avec des illusions préconçues où ils y arrivent pour des motifs à s'enrichir. Et lorsqu'ils se retrouvent là-bas, ils trouvent que peut-être ils ont la richesse, ils ont volé, ils ont fait quoi que ce soit. Mais il y a un petit remords en eux en se disant, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que nous allons laisser le peuple comme ça? Peut-être qu'en allant en politique, ils avaient d'autres idées. Mais arrivés là-bas, ils commencent à voir que non, ils peuvent changer les choses. C'est ainsi que, arrivant là-bas sans inspiration, ils s'inspirent sur les réseaux sociaux, ils s'inspirent peut-être pour nous qui sommes à l'extérieur en se disant l'idée de Germain peut passer. Voilà un peu dans quel contexte nous émettons ces émissions ici. Donc, nous faisons des réflexions juste pour inspirer peut-être ceux qui sont là à s'inspirer, à implémenter les idées qui peuvent faire sortir notre pays de cet marasme, de cette corruption, parce que beaucoup ne savent pas. Batoebele Bazana pouvoir va éviter. Même le président de la République, il vous dira qu'il est même étonné que le taux d'échange commence à monter comme ça. Parce qu'il n'en a pas, il n'a aucune idée. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons les accompagner, nous allons faire réveiller la conscience de vous, peuple congolais, pour que vous puissiez savoir où est le problème et comment s'y prendre pour résoudre ces problèmes-là. Voilà un peu, pourquoi est-ce que nous sommes là. C'est un peu en bref, mais aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous allons parler des problèmes réels qui se passent. Nous allons réfléchir sur ce problème réel qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes dans une étape où les gens sont en train de postuler à être des sénateurs, à gouverner les villes, les maires de la ville et tout ça. Est-ce que c'est ça le réel problème? Nous allons réfléchir sur ça. Pourquoi les gens, il y a cet engouement d'être député, d'être dans le gouvernement. Pourquoi est-ce que cet engouement est là? Nous allons parler aussi de cette négociation secrète qu'entamerait le président de la République. Et puis, nous allons parler aussi, disons, les négociations secrètes, un, avec le Rwanda, et les négociations ou la signature des accords de paix entre la tribu Teke et Yaka qui a eu lieu quelques jours avant. Et notre réflexion va aller dans ce sens-là où nous allons voir ce que nous disons ici à Contact Pro Live et ce que le président de la République est en train de faire. Le fait-il? Comment nous l'avons conçu? Ou bien il est encore à côté? Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour la réaliser, pour développer le sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, une ministre en fonction chassée de son parti politique. Exportation de coltan, Paul Kagame devance légèrement Félix Tshisekedi. Et puis Kinshasa, tout un quartier submergé par l'eau de la rivière à Limété.
On va sur actualité.cd. 16 personnes sauvées après le naufrage du bateau Mama Benita sur le lac Tanganyika. Et puis, la signature d'un contrat de partenariat entre FPMSE et Avance Congo. Désengagement de la MONUSCO à leur tour. Le casque bleu chinois s'apprête à quitter la RDC. RDC Beni, l'armée confirme la mort d'un chef ADF médecin traitant de Moussa Baluku, qui est leader de ce mouvement islamique. Congo profond, nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Uele, un départ prometteur à un système démodé. Constant Luangwange Mutanadu, un leadership multifacette. L'affaire Hassan Lobia entre justice individuelle et responsabilité politique. 7 sur 7, la veuve de Kyungu Wakumwanza et deux autres cadres de l'UNAFEC radieux du parti. Et puis à Qatar Airways annonce le début de ses vols de vers Kinshasa à partir du 1er juin. RDC, trois soldats tanzaniens de la SADC tués par un tir de mortier et un Sud-Africain mort par maladie dans l'Est. Au Radio Okapi pour terminer, Kinshasa, au moins 8 morts à la suite de pluies diluviennes du 8 avril. Et Nord Kivu, 4 soldats de la mission de SADC tués par un Mobi à Mubambiro, désengagement chinois, donc du casque bleu. Masisi, le complexe réseau de contrebande minier et des principaux acteurs sont aux arrêts. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par cette absence en République démocratique du Congo de notre président vers une destination qui est restée secrète. Il n'y a que des rumeurs. Il n'y a pas une voix officielle que jusque-là, au moment où nous présentons cette émission, il n'y a pas encore une version officielle de là où se trouve le président de la République. Alors, comme on dit toujours, à l'absence d'une voix officielle où on peut dire que non, le président est allé en France, d'autres parlent de Marbella, d'autres parlent de la maladie et tout ça, on ne sait pas là où se trouve le président de la République. Au moment où nous n'avons pas encore un gouvernement en place, nous avons un gouvernement transitionnel, donc un gouvernement qui était déjà sortant. Nous avons... Le pays est en ballotage. Nous sommes dans une certaine instabilité. À l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez, c'est la guerre, c'est le M23 qui menace. À Butembo, on a tué... Donc, à l'est de la République démocratique, il y a l'insécurité et la guerre. La guerre, c'est ce que nous disons avec le M23, qu'on acquise aussi, à, je ne sais pas pourquoi, le Rwanda être derrière le M23 et tout ça. Ça, c'est une situation où Goma peut tomber, parce que là, c'est la guerre. De l'autre côté, vers le Grand Nord, et puis en Ituri, c'est l'insécurité, les tueries, le massacre. Les ADF sont là. Le FARDC n'arrive pas avec le ZUP IPDF du Kenya, de l'Ouganda. Il n'arrive pas à maîtriser cette situation-là. Donc, il y a une certaine insécurité battante là-bas. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, le président s'éclipse. Il n'est pas là. Et c'est ça même la conséquence de la structure que nous allons parler déjà aujourd'hui. Bande Konangaï. Excusez-moi, na lobela bino un peu na lingala lelo parce que oyo ezali eloko moko ya motuya. Constitution na biso ezali mabe. Notre constitution ne s'adapte pas au moment même à la démocratie que nous devons appliquer en République démocratique du Congo. Je vais prendre tout simplement un point. Le président de la République est la seule personne aujourd'hui qui a le pouvoir à main. Il est la seule personne qui est confondue avec l'institution de la République. Tout le pouvoir est dans les mains du président de la République. Donc, même s'il est aux toilettes, il est le président de la République. Il n'a pas une vie privée. Vous allez voir
Je vais vous donner l'exemple, même si nous ne sommes pas dans le même contexte. Ici en Afrique du Sud, dès que le président de la République va s'absenter pour plus de 24 heures, il y a un intérim qui reste. C'est le vice-président qui reste. Il assume temporairement la fonction du président de la République en l'absence du président de la République. Pendant les 5 ans, le président de la République a droit à un congé officiellement. Il peut prendre des vacances. Chez nous, le président de la République prend ses vacances quand il veut. Tout est entre ses mains. Il ne respecte pas quoi que ce soit. C'est lui qui décide. Je suis en vacances et je pars. C'est comme cela aujourd'hui. Les obligations, même du pays, ne peut pas l'empêcher de décider que non, je ne pars pas en vacances ou quoi que ce soit. Il prend les vacances pendant que nous avons besoin de lui beaucoup plus parce que c'est lui qui décide sur toutes les choses aujourd'hui. C'est le président de la République qui décide. Et c'est ça le comble. C'est comme cela que nous nous sommes dit, dans tout ce que nous faisons, il faudrait que nous puissions réfléchir sur la modification de la Constitution de la République et ne pas dans quelle manière. Ne quittez pas parce que je vais vous l'expliquer comment nous allons y arriver pour changer cette constitution à la fin, vers la fin de l'émission, lorsque je vous donne les solutions, les propositions de solutions de ce que nous allons développer aujourd'hui. Donc la structure même du pays, la fonction du président de la République est à revoir dans la constitution d'aujourd'hui. Ça c'est mon point de vue. Je vous dis pourquoi. Parce que aujourd'hui, le président s'éclipse aujourd'hui comme ça. Et même ses collaborateurs les plus proches ne savent pas donner une explication à cette absence du président de la République. Et si la guerre éclatait à Goma et que le président de la République n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Le président de la République fait beaucoup de temps à l'extérieur. Il fait plus d'une semaine, 2 semaines à l'extérieur du pays. Et nous restons sans président de la République. C'est une faute grave. Moi, je pense que dans le prochain jour, dans ce que nous allons, quand nous allons changer cette constitution, il faudrait que nous puissions regarder cet aspect des choses. Alors, vous allez me permettre que je revienne encore une fois de plus sur la nomination de cette première ministre parce qu'elle a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Beaucoup en ont parlé. Et moi-même, j'en avais parlé en disant que j'ai posé la question. Qu'est-ce que nous attendons de cette première ministre, une dame pour la première fois à la tête de gouvernements qui se sont succédés en République démocratique du Congo? Beaucoup d'entre vous m'ont écrit et vous avez beaucoup réagi à cette vidéo-là et vous m'aviez dit que absolument rien. Et moi-même, je vous avais dit que ma position sur la nommée Madame Judith à la primature ne changera absolument rien parce que la fondation que nous avons de notre pays est déjà biaisée. La façon de faire les choses, nous sommes en train de pérenniser l'erreur qui existe. Le système dans lequel nous sommes, même si on amenait un super président de je ne sais pas qui viendrait d'où, dans ce même système, ça ne changera absolument rien. Et nous continuons à encourager ça. Le peuple congolais continue à encourager cette histoire-là. C'est-à-dire, on pense que nous sommes en train d'accompagner le président de la République. Regardez la dame, elle a parlé dans son petit discours-là, elle a prononcé le nom du président de la République, je ne sais pas combien de fois, 5 ou 6 fois. Il a remercié le président de la République, il va l'accompagner, il va travailler pour lui, il n'a pas parlé du pays. C'est-à-dire qu'il va assumer ce que le président de la République va lui dire. Il ne sera là qu'un un caporal. Elle ne vient pas avec un programme. C'est déjà une aberration, c'est déjà une,
une violation de la Constitution, celle que nous avons aujourd'hui, que nous contestons, que nous, moi je dis qu'il faut modifier. La dame ne fera absolument rien. C'est ainsi que vous allez voir, il y a un engouement aussi à Kinshasa surtout, et même dans les grandes villes, à Lubumbashi, à Kolwezi, tout ça dans les provinces, où il y a engouement, les gens se battent pour être des gouverneurs. Et j'ai entendu certains journalistes sur les réseaux sociaux en disant que non, nous voulons un homme, nous voulons un homme, nous voulons un homme qui connaît, nous voulons un homme qui va travailler, nous voulons un homme qui sera sur terrain. Mes frères, amis, moi je pense que nous sommes en train de commettre une gaffe. Nous ne réfléchissons pas bien. Ce n'est pas le président de la République qui va prendre les armes pour aller tirer les M23. Ce n'est pas le chef d'état-major qui va faire le travail. Ce ne sont pas les généraux qui commettent des bavures. La faute, ce n'est pas aux hommes. La faute que les hommes ont, c'est que les structures qu'ils ont placées ne fonctionnent absolument plus. Ce qu'ils ont mis comme modèle pour gestion, pour exécuter le travail, ne fonctionne absolument plus. C'est ça le débat sur lequel nous devrons nous poser. C'est ça le vrai débat. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de fonctionnement, l'État ne fonctionne pas. Nous pensons que le gouverneur que nous allons placer là-bas, c'est celui-là. Vous avez vu, Jekoko, il est sorti en disant, voilà, je suis venu vous faire un rond-point, j'ai aménagé, j'ai mis des ampoules. Ce n'est pas ça. Le travail est intellectuel. Nous sommes fauchés sur la conception de ce système qui doit fonctionner. C'est dans ce système-là qu'on va y mettre l'argent. Et l'argent va suivre le cours normal, les dépenses, et ça va faire fonctionner cet état-là afin que le travail puisse se réaliser. Ce n'est pas les hommes. Les hommes sont là pour contrôler le système. Mais quand vous mettez les hommes en premier, ce que même le militaire, ce sont ces généraux-là qui reçoivent l'argent et qui en font ce qu'ils en veulent. Mais s'il y avait un système, on dit que dans ce bureau ici, on va traiter de l'achat l'achat de matériaux. Ici, ce bureau ici va traiter pour contrôler l'argent qui est entré dans ce bureau ici. Il doit y avoir un système que nous devons réfléchir et mettre en place. Mais c'est ça qui nous fait défaut. Et donc, je disais, la structure même de notre pays, elle ne fonctionne pas, pour dire dans le terme le plus vulgaire ou bien le plus commun que vous pouvez comprendre, c'est que l'État ne fonctionne pas. Et cet État-là, c'est qui? C'est ce système-là. Les départements de ces États-là ne fonctionnent pas. Vous pensez vraiment qu'un monsieur, un gouverneur, c'est un super-homme? J'ai entendu des émissions qui partent de Kinshasa en disant que non, il y a trop de bavures, il n'y a pas de route à Kinshasa, les ordures sont partout et tout ça. C'est que le système ne fonctionne pas. Les entreprises de ramassage de tous ces des ordures, elles ne fonctionnent pas, elles ne sont plus alimentées en argent. Et même si elles sont alimentées en argent, cet argent-là ne fait pas le travail qui a été destiné, pour lequel il a été destiné. Et le travail-là devrait être fait par qui? Par les hommes qui sont dans ces départements-là. C'est là où nous devons faire attention. Les gens pensent que, non, si nous avons un fachi, c'est celui-là qui va dire que Yendemo Kengeliamboka, Yabana Kongo, Akobeta Kagame, il se fait un super homme. Il nous a fait rêver. Mais ce n'est pas lui qui va prendre les armes. Lorsque le commandement ne sera pas accepté ou bien ne sera pas exécuté, à cause des frustrations dont les militaires ont sur terrain, il va faire quoi? Ces paroles-là vont rester comme des paroles vides. C'est comme ça que nous sommes en train de voir que les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que cet État-là ne fonctionne plus. Et nous pensons que
Pour que cet État-là fonctionne, nous devons avoir des super-hommes. Il n'en existe pas. Nous devons avoir le travail des contrôleurs, des impôts doivent être là. Ces gens-là doivent contrôler. Ils sont partis. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand un douanier, par exemple, reçoit un client ou bien un Congolais qui vient avec ses marchandises de l'Europe, il a importé, il vient avec ses marchandises. Le Congolais doit payer la douane. Et quand il paye la douane, c'est-à-dire que cet argent-là doit entrer dans la caisse de l'État. C'est l'État qui doit payer cet douanier-là qui reçoit le Congolais. Si ce douanier-là n'est pas bien payé, il va se payer lui-même. Et qui perd? C'est cet État-là qui perd. Donc l'argent n'entrera pas dans l'État. Donc la perception des impôts, je ne parle que tout simplement d'un exemple. Ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui est chargé de balayer les routes, de mettre de la propriété dans la ville de Kinshasa, si cette personne-là n'est pas payée pendant 3-4 mois, vous pensez vraiment qu'il va faire son travail? Il profitera de chaque opportunité pour se mettre de l'argent dans la poche. Quelqu'un qui travaille au tribunal, agent de l'État, un avocat de l'État, ou bien un magistrat de l'État, qui n'est pas payé pendant beaucoup plus d'années, vous pensez que les gens qui viennent chercher justice, il va les laisser, il va en profiter pour se mettre de l'argent dans la poche. Alors c'est cet état-là, qui est broken, comme on dit. C'est cet état-là qui est absolument par terre, qu'il faut refondre. Et il faut le refondre le plus totalement possible. C'est pour cela que je disais, tant que nous resterons dans ce même système ici, et que la première ministre viendra nous dire que non, nous avons ceci, sans avoir à parler de l'État, de la restauration de l'autorité de l'État, la restauration du fonctionnement de l'État, pas de même de l'autorité, du fonctionnement, parce que l'État même ne fonctionne pas. Elle ne peut pas avoir de l'autorité si elle ne fonctionne pas. Elle a de l'autorité lorsqu'elle fonctionne. Et moi, je pensais que la dame devrait dire que non, voilà, nous allons essayer encore de retrousser le manche, comme disait, je ne sais pas, Kassavou ou bien un autre premier ministre qui disait, retroussons le manche et commençons à travailler. Le défi sont énormes, bien sûr. Le défi, ce n'est pas tout simplement de faire des déclarations, c'est de se mettre au travail et de réfléchir comment faire ce travail-là d'une façon équitable et d'une façon rentable. C'est là le grand problème où ça va commencer. Les gens n'y pensent pas, les gens ne réfléchissent pas. On pense que non, si nous avons Fatih à la tête de notre pays, c'est tout. Les autres choses iront de soi-même. Regardez un peu. Fatih n'a-t-il pas eu une bonne volonté? Il est parti. Aujourd'hui, je suivais sur les réseaux sociaux encore une petite vidéo de longtemps où les gens sont partis fêter la première anniversaire de la pose de la première pierre pour la construction d'un barrage dans le Kananga là-bas. Et ils se plaignent que rien ne marche. Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que cela veut dire, rien qui se passe? C'est-à-dire que les gens ne travaillent pas. Ainsi, les gens, comme ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Quelque part, le fonctionnement de cet État-là est en berne quelque part, somehow, somewhere. C'est par là qu'il faut chercher la solution. La solution ne viendra pas par la nomination ou pas par les gens qui viendront en disant « bon, c'est moi le gouverneur ». Vous êtes le gouverneur dans un système qui ne fonctionne pas. Vous allez faire la même chose. Les gens vont vous regarder comme ça. Il faut étudier comment est-ce que nous pouvons faire renaître, refondre cet État-là afin qu'elle recommence à travailler, que les gens commencent à faire le travail pour que l'État puisse recommencer à fonctionner. J'avais un ami avec qui je parlais ce matin. Il me disait, mon frère, je suis parti au Congo. Je suis parti à Goma, je suis rentré à Kinshasa, j'ai trouvé un pays inexistant.
j'ai trouvé beaucoup de gens désordres les qui. Chacun fait ce qu'il veut. À l'aéroport, au port, par-ci, par-là, dans la rue. Chacun. Donc, il y a une certaine. Surtout pour nous qui quittons, lorsque nous quittons dans des pays organisés, ou bien l'Europe, ou bien l'Afrique du Sud, par-ci, par-là, lorsque nous arrivons sur terrain, nous sommes perdus. Moi, je ne peux pas conduire à Kinshasa. C'est impossible. J'ai peur. Ça, c'est l'image de ce pays-là. Nous entendons ce que les gens subissent. Le pays pour venir à l'extérieur. Et comment ils sont ébahis lorsqu'ils se retrouvent au Kenya ou bien ils se retrouvent à Addis Abeba ou bien dans les autres grands aéroports. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Le problème, c'est cette structure-là. On a beau parler à ce qu'on va dégager l'aéroport d'Ndjili ou bien partout ces multiples services dans le port d'entrée à Matadi et si par-ci par-là, on n'en a pas pire. Pourquoi? Parce qu'on ne continue pas, on a arrêté de réfléchir. Les services de réflexion, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'injustices, on ne veut pas faire fonctionner l'appareil de l'État. On n'en parle pas, les huissiers, on n'en parle pas. Les bureaux de l'État sont presque inexistants en République démocratique du Congo. L'injustice est partout. Quand vous allez au parquet, quand vous allez... Donc, ces gens-là ne vivent que pour rançonner les populations. Et c'est ça le problème. Et là, alors, le travail de l'État, qui le fera? Chacun est en train de faire ce qu'il veut. Je vis un ambassadeur, excusez-moi, un ambassadeur d'un pays qui s'est acheté une villa de 100 000 dollars cash à Lubumbashi. Où est-ce qu'il a eu l'argent? C'est un ambassadeur. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Et il va vous dire que ça faisait 10 mois qu'ils étaient impayés. Et chaque jour, il réclame à au ministère des Affaires étrangères en disant que non, nous avons ici des arriérés, nous avons fait ceci, tout ça. Cet argent-là qu'il a eu, c'est de l'argent de l'État. Beaucoup de gens, beaucoup d'ambassadeurs ont fait ces ambassades-là comme leur boutique. Bamagablo na bango. L'État n'existe pas. Madame la Première ministre, voilà un peu le task que nous vous livrons en disant
Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas changer les choses tant que le basique n'est pas encore mis à table. Attelez-vous à changer les choses. C'est pour cela que nous, ici à Contact Pro Live, pour ne pas aller beaucoup plus dans beaucoup de détails, nous disons ceci. Il est temps de commencer à travailler. Et le travail commencera comment? Il va commencer à nous mettre d'abord d'accord que les choses ne marchent pas. J'ai causé avec les fanatiques de Fatshi qui m'ont injurié, qui m'ont traité de M23, de Rwandais, de tout ceci. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Fatshi est entouré par des médiocres. Et pourquoi il est entouré par le médiocre? Parce que lui-même est médiocre, excusez-moi le terme. Il n'a aucune vision. Quelqu'un ne peut pas, quelqu'un qui a quelque chose à faire, il ne peut pas disparaître du bureau comme ça. Et laisser tout un pays comme ça, brou, il n'est pas là, on le cherche à zater. Voilà un peu, je vais un peu mettre une virgule à ce sujet-là. Parce que là, je vais aborder le troisième sujet que nous avions. Le pacte que les Teke et les Yaka ont signé devant le président de la République et le ministère de l'Intérieur. Je crois la semaine passée, avant qu'il ne s'éclipse. Ezali Kambouni Nyango. Vous avez suivi que après tout simplement la signature là-bas à Kinshasa, le lendemain, il y a eu des tueries à Kouamoutou là-bas. On a tué, je ne sais pas, 10 ou 15 personnes. Les tueries continuent. À quoi ça vaut? Qu'est-ce que ça a valu à ce que ces chefs coutumiers-là viennent à Kinshasa et commencent à signer? Est-ce qu'ils vivent d'abord là où se passent les choses? Non, ils ne vivent pas là-bas. Beaucoup ont pris la poudre d'escampette, ils vivent à Kinshasa. C'est-à-dire, le fait qu'ils ne vivent à Kinshasa les exclut de la réalité sur terrain. Et ils vont chez le président de la République pour demander de l'argent. Nous avons vu les chefs coutumiers, fabricants de chaises, de lances et tout ça. Ils sont partis à la présidence de la République. En échange, qu'est-ce qu'ils ont eu? De l'argent. Tout le monde cherche à soutirer à la présidence de la République de l'argent. Ces effets-là que le président de la République a reçus n'ont aucun sens. Et ça a un sens mon côté bande konangai. C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, on est en train de se bombarder de mensonges. Ces gens-là ont trompé Babeti Mundouki, président de la République. Moi, je vous dis que ça, c'est une anarque. Nous en avions vu. Mobutu avait fait tout ça. Il était devenu le chef coutumier principal de toutes les tribus en République démocratique du Congo. N'est-il pas passé? Il est passé. Chapeau bas à Joseph Kabila qui n'a pas fait attention à ces histoires-là. Ce n'est pas que moi je ne suis pas culturaliste. La culture est là. Pour cela, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire comment est-ce que la valeur de ces histoires-là va être préservée et nous tenir. Restez avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous dans cette émission ici parce que nous en parlerons. Nous sommes en train de développer ici une politique que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour construire le fondement, la fondation de la République démocratique du Congo que nous n'avons jamais réussi à faire depuis 1960. Nous en parlons. C'est ça qui nous anime, c'est ça le sujet. Lorsque vous ouvrez mes vidéos, sachez que nous parlons de ça. Comment est-ce que nous pouvons consolider la base sur laquelle nous devons bâtir un Congo meilleur, un Congo où il sera difficile de tricher, où il sera difficile de voler, où il sera difficile de ne pas se connaître, où il sera facile de se connaître, de se respecter et de nous mettre ensemble dans une union pour que nous puissions réaliser le développement de notre pays. C'est de cela que nous parlons ici à Contact Pro Life. Alors, ces gens-là sont venus signer un pacte qui n'ont aucune valeur. Pourquoi je dis ça?
Ça n'a jamais été institué. Et ça, il y a un peu de salaire pour les bacanis et Kosimba. Et ça, la valeur, mon côté. Ces gens-là sont, bien sûr, que là, le pouvoir coutumier est reconnu et tout ça. Ces gens-là sont dans leur propre milieu, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas d'ancrage sur la population. Ils n'ont pas l'autorité de l'État, ils ne peuvent pas empêcher quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la jungle. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça le grand problème. Et le président n'a pas compris ça. Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais Germain, maintenant, tu voudrais que ça se fasse comment? C'est par là que j'entre dans ce que nous appelons, j'explique la situation, j'explique comment. Et le premier ministre entrant aujourd'hui qui a le pouvoir à main, et le président de la République devrait prendre en compte en disant, nous sommes à côté de la solution. Nous ne sommes pas sur la solution de la République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement à côté. Et nous devons faire les choses pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous avions pensé ceci, mes chers amis. Qu'il est grand temps à ce que nous puissions rétrocéder le pouvoir acquis des droits. C'est que le pouvoir devra être exercé par le Congolais à la base. C'est-à-dire quoi? L'article 10 nous dit, est Congolais tout celui qui appartient à une ethnie, à une tribu, ayant des terres dans cet espace qu'on a appelé la République démocratique du Congo lorsqu'elle a accédé à l'indépendance le 30 juin 1960. Les tribus, ce sont là les Congolais. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous les avons situés? Est-ce que nous avons reconnu ces gens-là qui sont des Congolais? Ont-ils le pouvoir de leur terre sur leur terre? Nous avons biaisé ça. Et ça commence avec celui qu'on a appelé la loi de comment on appelait ça encore la loi des terres là? Comment, mon Dieu, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est un Moulouba aussi qui avait fait sortir cette loi là. Son nom viendra. La loi Bakajika. Cette loi Bakajika, c'est ça qui nous a dérouté de tout et nous extirpé le pouvoir acquis des droits. Nous devons restituer ce pouvoir-là. C'est ainsi qu'un ami se disait, à quoi bon de m'appeler Moulouba si ça ne me sert absolument à rien? Les Balouba sont en train de se battre aujourd'hui à se dire que le pouvoir c'est à nous les Balouba. Vous en faites quoi? Absolument rien. Il sera bénéfique à vous si tous les tribus du Congo pouvaient vous accepter que nous tournons à Bino Yangoyo. Tant que Bino Kosila, Togokende. Regardez, je vous donne un exemple que les Belges ont laissé dans les groupements. Ceux qui savent comment les groupements fonctionnent, ils vont se reconnaître ici. Pour être chef de groupement, vous devez être un chef coutumier d'un tribu dans ce groupement-là. Parce que dans le groupement, il y a beaucoup de tribus. Et ils font des rotations, je crois, de 3 ans, pour être chef de groupement. Je peux me tromper. Mais cette histoire-là existe. Mais on n'en parle pas en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pouvoir. Ça ne nous a absolument dit rien. Nous avons rejeté ces notions-là. Et c'est par là qu'il y a le pouvoir. Où on peut être redevable à sa tribu. Nous devons être redevables de là où nous sommes, de nos origines. Mais nous avons laissé cette histoire-là. Pour que nous puissions évoluer à faire disparaître ces choses-là, nous devons d'abord nous reconnaître et nous réconcilier. C'est ainsi que nous nous sommes dit, la voie à suivre là, c'est de convoquer un état des lieux de chaque territoire. C'est ainsi où je m'adresse à la première dame, pas la première dame, mais à la première ministre, en disant,
Focalisez-vous à appeler les choses à ce que les gens puissent aller s'entendre et se mettre d'accord et signer ainsi des pactes qui auront un sens de redevabilité. C'est-à-dire quoi? Dans le Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, quelles sont les tribus qui sont là? Ils se mettent ensemble en disant, nous allons discuter sur notre région, sur la gestion de notre territoire. Tout le monde dans ce territoire va se mettre d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Combien de carrés miniers nous avons? Ces histoires-là sont à tout le monde ici. Nous sommes à combien ici? Qui sommes-nous? Comment est-ce que nous pouvons nous identifier dans notre territoire afin que nous puissions nous accepter à appartenir à la République démocratique du Congo par la signature d'un accord en disant nous ne voulons pas de guerre ici. Nous ne voulons pas ici. Nous ne voulons pas. Ça, ce sont des pactes que les gens doivent signer et puis qui seront respectés. Alors, ces états de lieux-là auront deux missions. L'écriture d'une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo, leur voix. L'identification de toutes ces populations vivant dans le territoire. Ce sont eux qui se connaissent finalement. Ce sont eux qui peuvent dire que toi tu es Congolais, toi tu ne l'es pas. Toi tu es venu en 1960 parce que l'article 10 nous dit que non, tu es venu après, tu ne peux pas avoir l'identité congolaise. Et nous définissons, si vous n'allez pas à avoir l'identité d'origine, voici vos droits et vos perspectives. Vous avez le droit de faire ceci, ceci. Ça doit être défini. Et les gens vont discuter sur ça et se mettre d'accord. Cela ne peut que se faire dans les territoires où les gens se connaissent. Mais ça peut être chapeauté par le président de la République actuelle qui veut amener le changement. Parce que beaucoup de gens sont en train de me dire que non, batuba kobunda kuna batuba kobunda te. Tobunda kapona nini, potolingi to conquérir Kinshasa. Nous voulons avoir ce pouvoir-là du désordre. Le pouvoir que le président de la République a aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir certain. C'est un pouvoir de désordre parce qu'il ne contrôle pas Bunagana. Il ne contrôle pas Kolwezi. Il ne contrôle pas... Ce sont les groupes de gens qui vont là-bas. Regardez, aujourd'hui, on dit que non. L'UDP, c'est le membre de la famille du président de la République, ont des carrés miniers dans les... Toutes ces histoires-là sont du désordre. Et l'ordre ne pourra venir que lorsque nous reconnaissons ceux qui sont à la base et qui doivent exécuter ou bien gérer ce pouvoir-là. Nous ne pouvons pas octroyer un carré minier sans que l'autorité territoriale puisse avoir son gain aussi. Et c'est l'autorité territoriale qui en aura en disant « nous affectons ceci, nous donnons ceci à quelqu'un, nous faisons ceci et cela ». Ils doivent avoir un droit de regard. Mais aujourd'hui, nous avions eu Kabila qui se disait il va faire le code minier et tout ça. On en avait discuté et ça commençait à fonctionner vers les lois. Là-bas, à Kalemi, je crois. Et même dans là où qui se trouve Kibali Mining, dans le haut où elle est ou bas où elle est là-bas. Ça a commencé à fonctionner, mais elles ne fonctionnent pas timidement parce qu'elles ne sont pas reconnues. Mais lorsque nous leur dédions ça et que personne ne peut s'ingérer et que les décisions qui sont prises au territoire ne peuvent jamais être influencées par Kinshasa, là les choses vont commencer à changer. Imaginez-vous que les Teke et les Bayaka sont allés mettre une conférence de paix dans leur territoire là-bas, en appelant tous ces gens-là, en disant « Venez, 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 nous allons causer tous. » Et que tout le monde se met ensemble en se disant « Maintenant, l'encadrement, ce sera ceci. Tout celui qui est commandant, tout celui qui a des gris-gris, voici comment est-ce que nous allons vous organiser. L'argent que nous pourrons avoir ici pourra commencer à faire fonctionner l'administration pour que finalement chacun se retrouve. » L'information pourra circuler et les gens pourront mettre les armes par terre. Mais ce qu'ils ont fait là, ce n'était que quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'autorité.
Ces gens-là, on les a donnés, bien sûr, des perdiens. Ils étaient derrière ces gens-là, ces moimis-là, sont des gens de vanupiers. Il suffit de leur donner 2 000 $, 2 000 $, venez, nous allons faire ceci, on a acheté des samba et tout ça, de la boisson, on les a corrompus, et ça s'est fait. Mais quelle est l'influence? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Absolument rien. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons nous arrêter là-bas, mais je crois que vous allez vous abonner parce que la suite viendra. C'est ce que nous expliquons ici sur réflexion. Nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons sortir notre pays dans ce marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui de penser que nous pouvons évoluer sans que nous pourrions réorganiser d'abord le pays au niveau de la base. Peut-être que quelqu'un m'a aussi contacté en disant il n'est pas d'accord avec moi quand je dis rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Peut-être qu'il n'a pas compris. C'est la réorganisation, la remise en question de l'administration qui doit fonctionner au niveau de la base. Supposons par exemple que moi je suis en train de chercher une carte d'identité. Nous ne devons pas faire comme on a fait ici avec les cartes d'électeurs. Ça, c'est de la blague, mes chers amis. C'est de la blague. Nous devons donner. Lorsque, par exemple, dans cette fiche-là qu'on remplissait, il devait y avoir des vérifications. Quand tu viens déclarer que tu es Congolais, mais où est-ce qu'on va vérifier? Nulle part. Pourtant, nous avons les collectivités, nous avons les localités, nous avons les communes, nous avons les provinces et tout ça. Ça devrait passer par des vérifications, ne fût-ce que par une 5 ou 7 ou 6 ou 8 mesures de sécurité. Et c'est là, ça s'en appelle que se trouver dans le bureau des territoires où l'administration fonctionne. Il y a un dossier qui vient de l'Équateur, il y a un monsieur qui a dit qu'il est Nande, vérifiez-nous ses identités au niveau de Lubero. Et au niveau de l'Uber, on peut regarder en disant, oui, l'identité qu'il a donnée ici comme ses parents ou bien ses grands-parents existe, nous les reconnaissons ici. Ainsi donc, il doit y avoir des gens dans l'administration là-bas en train de travailler sur l'identification de la population. Parce que c'est un département, le ministère des Affaires étrangères, intérieures. Et toutes ces interconnexions des ministères, des institutions devraient fonctionner. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Vous avez vu un kidam qui vient chez le ministre en train de faire des menaces. Vous ne m'avez pas payé. Ça ne devrait pas se faire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis 20 ans que je suis dans ce pays, je n'ai jamais vu ça. J'ai voyagé par-ci, par-là. Je n'ai jamais vu ça. Des ministres en train de se battre. Parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent. Quand on a payé, ce n'est pas venir menacer le ministre. Ça, ce sont des scandales qui montrent la médiocrité, notre bassesse, notre incapacité de conduire le pays, de gérer ce pays. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous aviez aimé et que vous allez encore revenir si vous voyez une autre vidéo. C'est pour cela. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez avertis lorsque nous mettons encore d'autres vidéos. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.